Bonjour tout le monde. Alors, ce matin, on va faire notre Genshin. Cette fois-ci, je peux mettre le micro. Donc, on va aller finir la quête de Xingqiu avant de continuer la quête principale. Donc là-bas, je m'étais mis ici pour pouvoir partir en hauteur. De plus haut. Je sais pas si ça va vraiment m'être utile. Ok. Il y a beaucoup de trucs à faire pour obtenir des pas des primos mais les coffres. J'ai fait un super contre là. Je vais pas me vanter. Il y a quelqu'un à sauver là. On va le faire tant qu'à être à côté. Tous massacrés. Non, je vais pas cuisiner. Voilà. Pardon. Il y a des gens ceux qui fassent pas de glace. Bah, je monte pas assez haut. Ah, c'est bon, j'ai pu passer quand même. Ouf. De toute façon, c'est pas nous qui paye.
全部4倍で売ると旦那様に言いつけてやろう。え、そこまでしなくても。いやいや、君たちの金じゃないだろう。そんなに本気にならなくても。紹介の金でも多く使えば旦那様に説明できないだろう。その時はお前の名前を報告するしかないよな。お前がわざと値段を上乗せしたって。悪かった、すまない、許してくれ。だが実はここの鉱石の運搬中に少しトラブルがあってね。何台かの運搬車がヒルチャールの襲撃を受けてしまったんだ。詳細な場所はこちらもよくわからない。しかし鉱石を回収しないことには売ることもできない。どうか探してもらえないだろうか。 Alors du coup, en plus de nous les vendre, 運搬車は全部で5台ある。 plus cher, 全部見つけてくれたら、il les a même pas. それはもちろん。まだリーウェで飽きないをしたいからな。仕方ない、行くぞ。相手を間違えたな。逃げようなんて思わないでよ。Voilà. On va aller s'y arranger pour y aller du bon côté. この場所を記録して後で秘運紹介の人に運んでもらおう。Il y en a 5.
Pardon. Sont les autres chariots, pas le dernier. Voilà, je l'avais pas vu. これで石箔をオイラたちに売ってくれるよな。ああ、ご苦労だった。契約を結ぼう。飛雲商会の旦那にもよろしく伝えておいてくれ。Je vais lui en glisser un petit mot à mon patron, mais le petit mot que je vais lui glisser, c'est fais gaffe. Il est louche. Ok, on retourne au village. Oh, j'ai failli tomber. ちょうどよかった。最近シゲサイコーの手下が来ないから変だと思ってたんだ。どうしてかわかるか？安心しろ。奴らはもうお前のところに来ないぞ。ん？どういうことだ？なるほど。君たちシゲサイコーの同業者か。人は見かけによらないな。しかし売るにも7割引きってのはさすがに安すぎる。せめて4割引きで。割引はいらないぞ。通常価格で売ってくれ。
え？本当に本当に通常の価格でいいのか？まさかこの鉱石が本当に金になるとは。でも君たちに売った後またシネ最高の人たちが来たら。来ないから大丈夫って。わかった。今よりまずい状況もないだろうし。しかしこれだけの石箔で何をするんだ？実は依頼を受けてるんだ。詳細は聞かないでくれ。ありがとう。本当にありがとう。どう感謝すればいいか。いい人にはいい報いがある。悪いやつには罰が当たる。さあ旅人、飛雲商会の倉庫で面白いものを見に行くぞ。La quête est finie ? Non, pas encore. さて終幕だ。君たちもいてくれないと話にならない。そんなこと言って、オイラたちがあちこち走り回ってる間、お前は何してたんだ？それはもちろんきちんと新小説劇録を読んで素敵な時間を過ごしたよ。進撃と邪剣、ヤジとミオ、五巻までの展開は奇妙であり摩訶不思議と表現していいが、この六巻を表す言葉は見つからない。こんな起承を書けるのはこの世に彼しかいないだろう。でそれがシゲ最高の剣と何か関係があるのか？感服しただけさ。だって予想外っていうのは珍しいことだから。僕の予想が叶ったのは君の協力のおかげだよ。行けば面白いものが見れるっていうのは。考えてみるといい。シゲ最高がリーユエコを探しても石箔が一つも買えない状況を。材料がなければ契約は果たせない。契約を果たせなければファドゥイを敵に回す。そして飛雲商会の名を聞いた彼はきっと腹を立てるだろう。シゲ最高には金と勢力がある。そして彼はこんな扱いを受けたことがない。鬱憤を晴らすにせよ、問題を解決するにせよ、彼は。お前たちだな。お前たちが上級の方を持ったせいで。ほら噂をすれば。こんなに走り回っても石箔はどこにもないと思ったら飛雲商会が動いていたか。希少な鉱石でもないのに品切れになるまで買い込むとは。俺を狙っているのか？狙うも何も僕は恩返しをしているだけだ。それに助けが必要な人がいれば助け立ちに入るのが当たり前だろ。このままで終わると思うなと言ってるのはそっちの人だしね。イエスマイト。身の程を知らないバカめ。これ以上言っても無駄だな。さあお願いします。ここの石箔を全て奪ってやってください。ボン、j'ai encore perdu mon Jinshu pour j'ai changé son arme d'ailleurs. Je lui ai mis une épée, l'épée de Favonius, c'est ça ? Enfin, c'est rituel qu'il a sur le... dans le test là, mais je lui ai mis celle de Favonius. Et je me suis foiré parce que c'est la rituelle qu'il me faut. Mais je crois que j'en ai pas. Je suis bête. J'ai pas lu en fait le nom de... J'ai pas lu les effets qu'elle faisait, la Favonius, du coup je sais même pas pourquoi elle fait ça. Pour pouvoir l'améliorer, pour qu'elle fasse plus de dégâts bruts. Parce que la seule que j'avais mis à l'origine est certes violette, mais
Mais je pouvais pas l'améliorer. Parce que c'était une arme de... De fontaine. C'est-à-dire que ça me prenait des matériaux de disponibles à fontaine. Et si je galère sur les... Si je galère sur les... Putain, mon cerveau, il a du mal. Si je galère sur les trucs, les donjons à Monsta Deliwe, je suis pas capable de faire ceux Ok. Je dois faire un break, je me suis hyper mal préparé. J'ai une envie d'aller aux toilettes, mais monstrueuse. Je reviens. Allez, putain. これもそちらの注文のためではありませんか。注文の件は自分で何とかしろ。行かないでください。おい、待て。坊ちゃま、どうしてここに。怪我はありませんか。ああ、彼女のおかげで無事だ。坊ちゃま。Ok, pardon, vraiment, j'en pouvais plus. Allez, on continue. Jeune maître. Voilà pourquoi est-ce qu'il peut débloquer autant de fonds. Shige-saiko, 強要による売買は商人としてどうかと思うよ。ここは商人らしいやり方で解決しよう。この石箔がなければ、ファディが君をどうするか想像してあげようか。Pourquoi les fatus avaient autant besoin de trucs là, de sécure de la piste ? ジョーキュー殿には7割引きの値段と言っていたな。ではこうしよう。通常価格の3倍。これでどうかな？足元を見やがって。いい加減にしろ。まあそう叫ぶな。買うの？それとも買わないの？わかった。3倍で売ってくれ。それでいいんだな。毎度あり。今後とも何卒よろしく頼むよ。お前飛雲商会の御曹司だったのか。じゃあオイラたちが使ってたモラは全部お前の財布から。気にするな。損することのない商売の上に。Dans ses moyens。申し訳できた。一石二鳥だ。それは多めに見てくれ。僕の字を見れば僕だってすぐわかるから、ある意味便利なんだ。オイラ、こいつのこと。Ça ira, Paimon. T'en as pas besoin de tes pieds. Voilà, merci. Son nom est Funky. Tabibito, t'as qu'il y a.
ここまでにして、今回のことは助かった。本当にこの新小説劇録もなかなか面白かった。だって僕は何もしていないのにお礼を言われるのもなんだろう。君たちは関係ないのに最後まで協力してくれ、これほど義教の心のある人と知り合えただけで僕は満足だからね。キレアンブル、キレアンブル。お話の途中で申し訳ありませんが、旦那様の方には。ああ、父上には今回の件を解決したついでに大金を稼いだと伝えてくれ。だからこのことに免じてあと数日だけ時間をくれないか。新小説劇録の中に。そんなこと言って本当は本を返しに行くのが面倒なだけだろ。上級殿ならきっと謝礼も準備してくれていると思うよ。謝礼、ま、何を知らない。では本を返すことは頼んだ。縁があったらまた会おう。Bien sûr qu'on se reverra. Y'a pas une escapade avec lui? Non. Y'a rien, y'a vraiment rien d'autre sur. Ah ouais, y'a rien sur Jinshu en fait. Je croyais qu'on le revoyait comme ça. Non, pas ça, je veux. やっと来てくれた。今朝質屋の人がわしの本を全部返してくれたんだ。きっと君たちが協力してくれたんだろう。ありがとう、本当にありがとう。ああ、そう言わずに。このことはわしにとって本当に大きなことなんだから。上家はリーウェでは大きい一族だったが、わしが若くして当主を継いだ時、商売で何度も失敗して家の財産、一族の栄光を取り戻そうと。君たちがいなかったら。お前も。ん、何でもないぞ。ああ、しん、コカハ。よし、コマンスエクセレレー。モンパの復興には今のコカハの若者と来た。ああ、まあこのこれは君たちにあげよう。鉱石も売れて。ん、マーキパージエトランジ。どうした、なんか。いや、何でもない。あの少年。Putain, mais s'il te plaît, ne m'ouvre pas la carte, ne m'ouvre pas les personnages quand c'est pas ce que je te demande. Merde, c'est pas sur ça que je voulais appuyer.この時期にこういうタコを買うお客さんは珍しい。昔だったらちょっと特殊なお客さんが買いに来てくれたけど。勝利は往生堂の家系だから、そういった事情にも詳しいよな。それに旅の途中で勝利はいろんなことをいっぱい教えてくれたなあ。リーユェの人々が大好きな経済や政治の話もわかるみたいだけど、それより使いどころのない知識のが好きみたいだよね。 Mais laisse-le avoir des centres d'intérêt différents des autres. そういう面白いことをお前たちと共有したかったからだ。子供のおもちゃは面白いものだからね。私も子供の笑顔を見るのが好きだけど、それとは別の思いもあるよ。子供はいつだって成功なものを好きになる。しかし
この成功も千年以上の積み重ねであり、その裏にはちゃんと意味が存在している。私はリーユエで40年タコを作ってきた。だからどんな様式のタコもよく知っている。お客さんが注文した7枚のタコ、その意味は普通とは異なるものだ。その通りだ。これは操船儀式に使う飾り物。7枚のタコは七神を象徴する。あ、おい風神に捧げるタコの模様は自由に色を塗らせてもらったよ。元神に捧げるものは契約通りに描いた。この模様は古くからあって黄金屋でも見ることができる。ん？黄金屋って最近、あ、このタコの雷の模様、輪転する感じがうまく描かれている。まさに雷神が欲している永遠そのものだ。知恵に捧げる草の模様、金木の年輪、それらが巧妙にタコの骨組みと融和されている。Alors, il parle de cycle du coup, mais ça représente l'archon électro. L'archon électro d'avant ou Baal? Parce qu'en fait, Baal, pas Baal, Ei, justement. Parce que Shogun, que je sache, justement, elle veut pas qu'il y ait de cycle, elle veut que ça reste éternel. Comme c'est tout le temps. Éternité, quoi. Non? D'herbe de feu, représente, eux, la sagesse et le passage du temps. Donc, ouais, là, il parle de. Donc, le temps, en plus de la sagesse pour Naïda. La guerre qui brûle, telle la flamme. Cryo, ah. Il parlait d'eau, je m'attendais à Frena. Oui, ils ne sont pas tous mentionnés, mais non, c'est pas grave. Deva, Shinamono Itadako. Kaneni Kanstewa. Orega Harauyo. T'arrives au bon moment, toi, mon gars. J'avais pas envie de payer. Oui, tu passais juste. Tu nous espionnes en fait. Shori sensei wa aikawarazu da. Shiharai o suru toki, ya, dareka ga shiharai o shite kureru toki, itsumo nedan o minai shi, saifu no nakami mo minai. Mais effectivement. Da ga jissai wa kinsen no kachi o rikai shite ite, seiken no hitobito no kurushimi datte rikai shite iru. Sore nano ni, bimbo という mono ga wakarazu, kare jishin ga sou nari eru kanonsei o wakatte nai. もしくは金を持っていない自分を想像できないと言った方がいいかな。ありえない。よくここまで餓死せずに生きてこれたな。孔子殿は相変わらず冗談を言うのがお好きだ。さてタコも手に入れたし、次の準備だ。休息は不要だろう。操船儀式には物だけでなく、quand il en a vraiment besoin。不当の付近なら労働者を雇えるだろう。C'est lui qui a créé les putains de Mora. Moi, je vois pas pourquoi est-ce qu'il pourrait pas en faire apparaître ou transformer la matière qui sert à faire les Mora, peut-être de l'or, un truc comme ça, pour, tu sais, créer des vrais Mora, les transformer avec ses pouvoirs. Merde, j'ai pas lu ce qu'il a dit. Trouver 3 ouvriers. Pourquoi faire? J'ai pas suivi. Bokenka. Yamaok de Gishkini Tsukau Shoucho Tsukamaeru no wa. Eh? Sore nara muzukashiku nai shi, Bokensha kōhō ni utte tsuke. Tekisei na kakaku da. Là, je peux négocier. Donc il me reste 50 000. Ah, faut que je maintienne, pardon. J'ai sauvé quand même pas loin de 5000.
この値段で受けよ。D'accord. Nice. J'ai mis le feu. Fire. Bonjour. Un indice concernant un trésor. Bah vas-y, file-moi ça. Je veux tous les trésors du monde. Éliminer tous les monstres. Fera ça plus tard. 25,000 mora だけど。25,000 mora? ちょっと。モンドを救った英雄。英雄を知らないなら仕方ない。Alors. だが。On va essayer de lui d'offrir justement 15,000. Il est pas de bonne humeur. J'ai juste enlevé 10,000. Paf! J'économise 10,000. Salut, Kian, Tian, peut-être. Tic. Alors il s'appelle Tok. Tic Tok Tac, Tac Tic Tok, un truc comme ça. Fou toi. Il est malade, Zhongli. Il s'en fiche complètement. Je divise de moitié d'abord. Je tente des trucs. Non, il voudra pas. Ok. Voilà. Il m'en reste donc 12,000 quelques que je vais pouvoir récupérer à la banque. Du nord, sachant que plus tard dans l'une des histoires, c'est dans la quête de personnage de s'enfoiré, il y a son petit frère qui va venir et je vais choper une autre, il va donner une autre bourse comme ça pour qu'on occupe son frère pendant la journée parce qu'il a des trucs d'exécuteur fatui à faire. Et ils vont nous remettre le truc de négociation, que je sache, pour justement... Une demi-heure dans la banque du Nord, c'est sympa. Pémon, direct. Mais oui, Lumine, s'il te plaît, laisse. Tu manqueras plus jamais de Mora. Oh, ça l'emmerde. Vous avez vu son visage? Ça l'emmerde. Ce que Pemon vient de dire. Dans Saint Éternel, on va aller au cottage Bebe, la meilleure pharmacie de... Il y a une petite tension entre Lumine et Traglia. C'est ça, casse-toi. Je veux pas te voir. On va aller au cottage bébé. J'ai envie d'y aller, il y a un personnage cutie mignon à voir là-bas. Qu'on n'a pas rencontré encore. D'ailleurs, ça aussi je m'étais foiré là-dessus. Ça doit être là en fait. Ouais non, il n'y a rien. Ah non, il n'y a que dalle. Je suis complètement malade. J'étais sûr qu'on revoyait Titi durant une histoire de personnage à elle, mais ça doit être pendant celle de Ganyu qu'on va voir au cottage Bebe et que Titi est présente. Parce qu'elle y bosse. Beizou, il utilise un zombie comme... j'allais dire secrétaire, mais c'est pas ça son rôle, elle est... Elle est coursière. Coursier ? Coursière ? Ça se dit coursière ? Je sais pas. Et aussi,
réceptionniste si on veut. En tout cas, elle gère le comptoir. Ah bah c'est sûr. Ça vient du comptoir. Comment ça, tu sais pas qui y a là, toi? Guizong. Comment ça, Guizong? C'est qui déjà, Guizong? Calmez-vous, c'est qu'une gamine. Enfin, c'est un zombie, mais à première vue, ça paraît même pas. Donc, calmez-vous. C'est quoi ces réactions de flip de... Oh, au secours! Ça change rien, t'es plus petite. Elle a été congelée, c'est peut-être pour ça qu'elle est en décomposition. それでお嬢さん、ここに衛星光はあるか？処方箋は持ってきた？ 衛星光なら処方箋はいらないと思うが、病とは関係ないからな。処方箋があれば薬用意できる。これはナナが自分に下した勅令。キョンシーを動かすには勅令が必要だ。しかしなぜかこのお嬢さんは自分で自分に勅令を下しているんだ。ビアソン、ペチジョーナル。処方箋はないが衛星光を用意してほしい。 Les gauleries de l'écoute de son comptoir. Moi je me souviens qu'à cause de cette scène là, avant que sur le jeu ils ajoutent l'emoji de Titi justement sur le coin du comptoir, je l'avais d'utile sur Discord. Elle chasse une coco chèvre. C'est pour ça le guison. Mais guison, c'est pas ce que j'avais cherché la dernière fois. La déesse de la poussière. Hein. Guison Genshin, ouais, c'est dans mes recherches. Fais une vraie recherche, c'est quoi ce bordel? Ouais, ouais. Mais il l'appelle adepte là-dedans. Pardon. On sait tous de qui elle parle. La coco goat. Elle veut du lait de coco chèvre. Ça a été ma meilleure healeuse pendant longtemps, ce personnage-là. Sur mon gros compte. Enfin, j'ai utilisé Diona pendant un temps. Puis à un moment, on m'a fait la remarque de « Mais ta Titi, gros débile, booste-la correctement, t'auras plus de problèmes de heal. » Et une fois que je l'ai fait, effectivement,
le heal n'était plus un problème. D'ailleurs, si je la dropais, je crois que je l'ajoute, j'essaierai de l'ajouter à la team. En enlevant peut-être Jinshu. Ça me permettrait de... de caler du heal sur les autres personnages. Je vais aller chercher les matériaux à la forge. Merde. Pourquoi est-ce que ce truc-là passe au-dessus quand quand je fais forger des objets? C'est un peu con, je trouve. Alors, j'avais dit celui-là pour le donner à Jiangling. Alors, non. Et... ouais, bah, vas-y. Le truc qui cherche la Nemoculus là, c'est un objet usage unique. Ah bah déjà fini, ok. C'est pas ici. Bon bref. Ah, il y a une autre quête là. Normalement, je l'avais. J'ai pas que j'ai mis. Ah si, elle est là. Je me suis arrêté dessus en disant que je l'avais pas. Quel crétin. Alors, je la mets parce que je peux en fabriquer une. Et j'ai vérifié sur mon gros compte, ça peut lui aller. Donc, voilà. C'est une très très bonne DPS que je sache. En tant que free-to-play à l'origine, la première fois. Alors, je le suis pas resté. Quand je me suis rendu compte que je pouvais mettre de l'argent pour des persos, j'ai fait « Oh, quel bonheur !» Moi qui adore les jeux de hasard. Ben... j'en ai mis énormément. Mais au début, je jouais avec Jiangling parce qu'elle était free. Elle était donnée avec les... elle est toujours donnée avec les trucs là. Mon cerveau, encore une fois, les abysses. Alors lui, je voulais le faire la dernière fois que je l'ai vu. Il veut jouer à cache-cache. Alors, si je me souviens bien, il se cache, mais... comme un idiot. Ah non, de l'autre côté. Ah non, le truc qu'il y a de l'autre côté, c'est la balise. Où est-ce qu'il est? Voilà. Alors. Ça va planquer derrière un arbre, lui. Oh.
Ah, il est là, putain, je l'ai vraiment juste pas vu. Je pourrais pas interagir avec lui à cause du fight. Bah, du coup, je sais où est-ce qu'il va te cacher. Ah, chier. Carte au trésor. Oui, c'est bon. J'ai jamais demandé à l'ouvrir. Pourquoi est-ce qu'il l'a ouvert? J'essayais de courir. Non, j'abandonne pas. J'ai été interrompu par les monstres. Ah oui, il était largement visible. C'est moi qui passe pour un idiot à pas le voir. Alors, où est-ce qu'il était déjà? Il semble qu'il se met sur le bord d'une falaise là. Non, pas ici du coup. Mais il me semble qu'il se met sur le bord de la falaise dans mon souvenir. Près de cette maison là-bas. Non, j'étais au bon endroit du coup. Près de la maison. Ah, c'était là. J'avais souvenir qu'il se cachait près du précipice. Ah voilà, cachette ultime. Je m'étais peut-être trop avancé. Mais arrête pas de bouger. Pourquoi tu t'arrêtes pour rien? Comme si la manette s'éteignait. Il s'est pas caché ici. Putain, mais c'est quoi le problème? La manette est presque vide. Je crois que c'est ça le problème. Allez. J'aimerais bien réussir à le trouver quand même avant. Ah, voilà, j'avais raison. Je m'étais juste trop... Joueur 0.
どうやって使うんだ？動かすのにどんだけ力がいるんだよ。今は動かせない。壊れているからな。え、これ壊れてるのか？千年もの時が経っているからな。たとえ千人の道具でもボロが出てくる。じゃあどうすりゃいいんだ？勝利、早くいつもの上流階級の豆知識で何とかしろよ。ペンモン、on la voit même pas sur ce plan là。これを何だと？芝居と鳥の鑑賞以外何もできない金持ちの坊ちゃんじゃないぞ。そうだな。奇襲機が作られた当時、傷などの修復をするため予備用の材料が用意されていたはずだ。俺の知識が正しければこの古城園の中に当時の備品室があるはずだ。そこに保管されている材料と奇襲機の原理を理解できれば修理も難しくないだろう。 Dommage que j'ai pas une deuxième manette, ça va m'obliger à arrêter parce qu'elle a plus de batterie。 少しはな、材料が十分に集まった。備品室どこだろう。Par en dessous, je crois, non ? Au-dessus, j'ai pas regardé, il y avait pas un accès. Oh, tu fais chier ! Oh, le jeu s'adapte trop mal à la manière dont on grimpe. C'est chiant ! Ouais, y'a rien. Pas forcément en dessous. Composant des ailes du corps de l'engin et tout ça. Ok, se mettre pas des masses à entrer. Putain, mais. Hachiru yori tobu hoga hayai yo. Ah. 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 Qu'est-ce que c'est que c'est de, ce truc là? Pourquoi il y a ça? Là, y a une structure là. Un bête coffre. Je voulais vérifier, je voulais trouver. En fait, je voulais finir ça avant, mais j'aurais pas le temps de m'arrêter. La manette va me lâcher. Et je vous avoue que ça me saoulerait de devoir laisser le truc fonctionner. Tout. En fait, de tout laisser fonctionner pendant que la manette charge. Ah! Ah putain, faites chier. Ok. Alors. Je vais arrêter là du coup. J'ai pas le choix à cause de la manette. Ça fait quand même une heure, donc. C'est ce que je fais d'habitude en général. Donc merci à ceux qui sont passés sur la diffusion et à ceux qui seront passés sur la rediff aussi.